Le marché de producteurs de pays reprend ses quartiers d'été au cœur de la Bastide de Sauveterre de Rouergue. Une occasion pour que touristes et autochtones consomment des produits du terroir dans une ambiance joviale. Bonjour, alors dites-moi, vous venez de où ? De Rio Pérou. De Rio Pérou, donc juste à côté ? Oui, c'est à 25 minutes. D'accord. Et pourquoi vous venez à Sauveterre de Rouergue au marché ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici ? Parce que c'est un marché de producteurs et comme on est producteur de pommes de terre, on vient vendre nos produits. Mais là, vous êtes en pleine préparation de la façade, oui. C'est aussi un plat typiquement aveyronnais. Oui, ouest Aveyron. Là, je vais bientôt relancer le feu pour finir la cuisson et le feu. La tome va pouvoir bien filer. Bon, alors justement, il y a quoi dans cette fameuse truffade aveyronnaise ? Il y a de la graisse de canard, quelques petits lardons, des pommes de terre, du sel, du poivre, de l'ail et la tome. Et l'huile de coude. Que des bonnes choses en somme. Tout à fait. Rémi Farm, je suis producteur de châtaigne, castanéiculteur, un nom qui n'est pas trop connu sur la commune d'à côté, à Castanet. Ça porte bien son nom, de l'occitan loup castagnette. Mais ça fait 2 ans que je suis sur l'activité. Pour l'instant, je ramasse sur des vieux arbres. Et je vais dans un atelier spécialisé. Voilà, je transforme, je fais des marrons entiers, pelés, et de la crème. D'accord, voilà. Donc ici à Sauveterre, pourquoi tu participes au marché de pays ? Qu'est-ce qui t'a attiré ? Pour faire découvrir mon produit. Parce que je fais aussi de la vente directe sur l'exploit. C'est sympa déjà, je cadrerai bien. Ça fait toujours plaisir de venir là. Et pour vendre aussi. Oui mais non. Pas d'interview quoi. Ça c'est bien. Oui toi, mais non. Ça. Oui mais non. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous vendez ? De la pâtisserie, spécialité aussi de l'Aveyron, foie, soleil et rissole, tout ce qui est donc vraiment spécialité Aveyron. Et après quelques tartelettes pour que les gens puissent manger sur place aussi. Voilà. La recette c'est du pain passé en chapelure, du pain de campagne avec des oignons, du lait, de la farine, des œufs, de la ciboulette, du persil et des feuilles de blette. Ouais, c'est typiquement aveyronnais alors ? C'est typiquement aveyronnais. Ça se mange soit sur un lit de salade, soit en accompagnement avec de l'aligot ou de la truffade ou alors avec une viande, comme on veut. Bon, et alors je suppose que les meilleurs de la région, c'est les vôtres ? J'ai pas la prétention, mais ça pourrait l'être. En tout cas, je sais qu'ils ont du succès. Voilà.